Yop, salut les gens, c'est Citi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc astuce caméra, je vais te faire mon petit craft. Donc c'est assez simple, c'est dropper des reliques familiales. Je sais pas si ça existe déjà sur YouTube, si ça existe déjà, c'est pas grave, hein, moi je vous montre ici. Donc ça se drop sur les fantômes apéro, faut faire attention parce qu'il y a des arépo aussi, et faut pas confondre. Il y a aussi ardent et brave, c'est les 4 types de fantômes. Mais ce qui nous intéresse c'est juste les apéros. Donc cette ressource vaut environ 20 000, 20 à 25 000 Kama unités. Là j'ai fait deux combats, j'en ai droppé 5. Donc je me suis dit que c'était quand même assez bien, puisque un combat ça prend maximum 2 minutes. Là j'ai une assez bonne compo en fonction des maps et tout, je peux le télép avec l'Exel plus VK, j'ai les omoglyphes, ça va rapidement. Donc, pour moi la meilleure compo ce serait Kra, Exel et FK. Enfin, je vais pas prendre toute la team pour dropper ici, ça va être assez long. Donc je mets les glyphes sur le FK, le Xel fait des poussières temporelles. Si j'avais un cry, il lancerait les explosives. Il serrait plus vite. Donc là j'ai pris un groupe avec plein d'étoiles, ils ont tous plein d'étoiles. J'ai mis deux percepteurs, ainsi ils drop avec moi. Et donc je pense que je vais faire ça pendant 10 minutes, mais je vais filmer tous les 10 minutes. Et à la fin des 10 minutes, je vous montrerai ce que j'ai drop. Donc, par contre, on a des notes un peu merdiques. Là, on va directement viser les télèpes. C'est cool, on fait pas le chat en même temps. Je vais regarder que ça filme bien. J'ai mis un peu de musique de fond pour changer un petit peu. J'espère que ça dérangera pas, que ça fera pas bruit de fond. Qu'on entendra bien ma voix et que ça gênera pas la vidéo. Là, on va se télèpe. Des amis qui rentrent plutôt bien, 170 avec 2 PA sur 50%. C'est vraiment des mauvais nuls. Hein. Je suis un peu n'importe quoi, mais la map est vraiment nulle. Les deux autres maps que j'ai pris, j'étais directement au corps à corps, j'ai pu tous les mettre dans les glyphes et ils mouraient tous. Eux qui ont 100%, pas de problème. Un peu de la merde. Bon, faut repousser. Je vais faire pause et donc voilà, vous avez vu en gros à quoi ça consistait. Il y a aussi des chaffeurs et des corbacs. C'est simple. Corbac, je suis plus sûr. Donc on se retrouve dans 10 minutes, donc il est 12h18 et à 12h28 on se retrouve pour voir les drops qu'on a accumulés. Et voilà, donc il est 28, on va faire un dernier combat et puis on va voir combien on a gagné. Donc ça se drop à plus ou moins, donc c'est de 10 à 14%, et moi avec 240 de prospection je drop à 24 à 33,6%, donc c'est pas mal. En moyenne j'en prends un par perso à chaque combat, donc là même sur un groupe sans étoiles on va voir si ça drop bien. On aura peut-être pas de chance, on verra bien. C'est une bonne map. Donc ça c'est super. On peut faire le châle en plus. Super facile. On va remettre des poussières temporelles ici. C'est marrant parce qu'ils mettent toujours leurs enveloppes dans les glyphes, donc ils créent tout le temps. J'ai vu qu'on devait quelqu'un voulait crafter un truc. Je lui crafterai juste quand la vidéo sera terminée. Et voilà, le combat terminé, donc ça va super vite, c'est des petites notes, parfois ça dure un peu longtemps, donc là on a même pas mis une minute, on a droppé deux, donc c'est quand même pas mal, hein. 40 à 45 000 Kama. Ça dépend des moments, pour l'instant ils valent 22 000 Kama, donc c'est le bon prix, je viens d'aller voir l'hôtel de vente. Donc on va regarder combien on a droppé, on va essayer de tout rassembler.
à le faire. En plus, il y a d'autres drops à côté, ça peut être toujours super sympa. Et vous voyez, on a un perso au 8, j'ai dû faire 5-6 combats. Donc, tout ça en 10 minutes. Donc 16 reliques. Le percours a droppé 2. Donc, donc il y en a un qui n'a rien droppé, il y en a un qui en a droppé 2, donc ça fait 18 reliques. Donc 18. Je sais pas voir si je vois. 18 fois 1000. Ce qui nous fait 400 000 kama, plus les petites ressources à côté qui peut toujours aider. Ouais, il y a pas mal de bonnes ressources, par exemple ça, en plus les flammes, qui valent 360 000 kama, donc on va les compter. 750 000 gamma, c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. J'ai moins monté à 20 000 gamma de plus avec tous ces drops là. Donc voilà, je pourrais crafter mes trophées grâce à ça. Et je vous ai peut-être bien aidé à faire des gamma. Donc voilà, 750 000 gamma en 10 minutes, c'est sympa. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et jusque là, bon jeu et à bientôt. Allez, au revoir les gens.